Bonjour à toutes et à tous qui nous suivent pour cette deuxième journée de ce premier salon luxembourgeois 100% connecté. On est vraiment ravis de vous retrouver. Vous avez été très nombreux à nous suivre hier sur les workshops live, mais également sur le site. Il y a eu plus de 1000 visites sur le site, donc on est vraiment très heureuses. Et on espère sincèrement que parmi vous, vous avez pu, grâce à la présence de nos partenaires, vous informer, prendre des conseils. Vous avez pu avoir des conseils personnalisés en prenant des rendez-vous gratuits ou en participant aux tables rondes aussi avec le Click and Meet, hein, qui est cette fonctionnalité que nous vous proposons pour la première fois sur nos salons connectés. Donc le salon de la reconversion professionnelle des femmes, c'est un salon donc dédié à vous, mesdames, qui avez envie aujourd'hui de retrouver un élan dans votre carrière. Vous avez peut-être dans une situation compliquée que vous subissez ou dans une situation que vous choisissez de faire changer. Bien voilà, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une démarche de reprise d'une formation, de création d'entreprise ou de recherche d'emploi ou quelle qu'elle soit, vous ne savez pas trop, vous avez besoin d'être accompagné par un coach par exemple, et bien vous êtes au bon endroit. Et nous espérons que vous puissiez profiter de la présence de nos partenaires et de ce que nous vous proposons en ligne pour profiter, pour pouvoir vous donner des élans, un nouvel élan pour cette année 2021 qui s'annonce riche et sous le signe du renouveau. Voilà, merci Virginie de nous faire signe. Bonjour à vous, j'espère que vous êtes bien installés derrière vos écrans. On va démarrer cette série de conférences, de workshop live aujourd'hui avec Tanit Blakler, qui est fondatrice de Do Your Thing. Et Tanit, bienvenue à vous et merci de nous faire confiance et d'être présente sur cette édition connectée de cette première édition luxembourgeoise. Donc on est ravis que vous soyez là et de démarrer la journée avec vous. Vous allez nous parler de comment atteindre des objectifs que l'on se fixe soi-même. How to achieve your goals, puisque cette présentation va se faire un petit peu en anglais également. Donc, bienvenue à vous. Est-ce que vous m'entendez bien, Tanit? Bonjour, oui, je vous entends très bien et merci beaucoup pour l'introduction. Moi aussi, je suis très ravie de faire participer la première fois maintenant le professionnel ici au Luxembourg. Donc, je suis un peu nerveuse, mais je vais essayer de faire mon mieux pour que tout le monde, à la fin du workshop, peut forcément répondre à cette question, comment atteindre ses objectifs. Bon, merci, ne vous inquiétez pas, tout se passera très très bien. Il y a du monde qui nous suit déjà, il y a plus de près de trentaine de personnes qui nous suivent, et donc bienvenue à chacune d'entre vous. Je vous propose de ne pas hésiter à mettre des commentaires dans le chat pour, si vous avez des questions à Tanit, que je pourrais lui transmettre à l'issue de sa présentation. Donc n'hésitez pas à indiquer les questions ou des commentaires que vous pourriez avoir pendant la présentation de Tanit. Et puis on se retrouvera à la fin de sa présentation pour échanger et répondre à vos questions. Tanit, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. D'accord, très bien, merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc bonjour et bienvenue tout le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin avec plein d'énergie et une bonne tasse de café pour tenir toute la journée avec les workshops. Donc, comme on a dit, le sujet ou bien la question de notre workshop, c'est comment atteindre vos objectifs. Je trouve des fois, cette question est souvent plus facile que la réponse. Pourquoi? Car pour répondre à cette question, il faut déjà être bien clair avec ses objectifs. Il faut connaître ses objectifs et se préparer mentalement pour les atteindre. Voilà, donc je voudrais vous donner quelques conseils qui devraient vous aider à être en mesure de répondre à cette question à la fin de notre workshop. Donc, et comme on vient de dire, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre dans le chat. Et à la fin, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Voilà, donc on y va. Mes cinq, je veux dire, meilleurs conseils personnels que j'aimerais vous partager avec vous pour forcément atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés, soit c'est dans la vie personnelle ou même dans la vie professionnelle. Je trouve que vous aide énormément pour faire étape par étape et, comme j'ai dit, pour atteindre vos objectifs. Donc, ça serait le premier slide. On passe sur les points 1 à 5.
Donc, le premier point, c'est fixer objectifs qui vous motivent. Vos objectifs sont, si vous êtes intéressé aux résultats, sont très minces. Donc, on est déjà sur pas vraiment un bon départ, car il y a le manque de motivation. Donc, c'est vraiment la motivation, c'est essentiel pour y arriver sur la route, pour y arriver à atteindre votre objectif. D'accord? Puis, on a le deuxième point. Le deuxième point, c'est fixer vous des objectifs intelligents. J'ai pas trouvé un mot en français plus proche de ce qu'on dit en anglais, parce qu'en anglais, on dit smart goals. Ça veut dire quoi exactement? Vous voyez aussi là sur le slide, smart, c'est écrit en anglais. Je vous dis chaque mot et je vous donne une petite explication en français pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on veut dire forcément avec Smart Goals? Donc, Smart Goals, je me suis dit qu'on va faire lettre par lettre, comme ça, c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc, le S, spécifique, c'est clair, spécifique, votre objectif doit être bien défini. Donc, si votre objectif est simplement défini, comme par exemple réduire les dépenses, comment saurez-vous que vous avez réussi? D'accord? Le M, measurable. Mesurable, c'est assurez-vous qu'il est possible d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Ça ne sert à rien maintenant de vous mettre un objectif, donc dès le début, vous n'avez soit pas envie d'y atteindre ou vous n'avez pas confiance que vous y arrivez. Donc le A, c'est attainable, en français c'est plutôt réalisable. Donc c'est si vous fixez des objectifs que je viens de dire que vous n'avez aucun espoir d'atteindre, vous faites que vous démoraliser et détruire votre confiance. Et ça, forcément, on veut bien éviter. Le R, relevant, pertinent, c'est vos objectifs doivent être pertinents par rapport à la direction que vous voulez que votre vie et votre carrière prennent. Donc, en gardant les objectifs alignés avec ceux-là, vous développez la concentration qu'il vous faut, que vous avez besoin pour avancer. Donc, dernière lettre, c'est T, time bound. Pour nous, c'est limité dans le temps. Un autre mot pour cela, c'est deadline. Comme déjà dit, c'est en fait, il faut, bah, ça c'est mon avis personnel, il faut avoir une date de limite. Donc, quand vous travaillez sur une échéance, votre sentiment d'urgence augmente dans la réalisation. La réalisation vient plus vite. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je veux perdre 10 kilos. Voilà. J'ai mon objectif, mais si je ne me mets pas à deadline, à quoi ça me sert? Je peux prendre toute ma vie pour perdre 10 kilos. Donc, il faut que je me dise, d'accord, voilà, je veux perdre mes 10 kilos avant l'été, comme ça, voilà, je peux mettre mon bikini et je vais arriver. Ça, c'est mon deadline. Donc déjà, j'ai mon objectif et j'ai mon deadline et ça me donne encore plus de motivation pour y arriver à la fin. D'accord? Donc le troisième point, je trouve aussi très important, c'est fixer des objectifs par écrit. Le fait d'écrire un objectif sur papier ou sur un post-it, sur document Word, n'importe, le rend plus réel. Donc, vous n'avez aussi aucune excuse pour oublier vos objectifs. Même moi, de temps en temps, j'aime bien de noter mes petits objectifs que j'ai pour la semaine ou que je veux atteindre à la fin du mois. Je le note absolument sur un post-it, par exemple, et je le colle sur mon frigo pour que je sois certaine que je ne les oublie pas. Chaque jour que je passe dans la cuisine pour prendre ma tasse de café, je vois mes objectifs. Ça me rappelle que j'ai des choses à faire, que j'ai un but à atteindre et ça me donne en même temps la motivation pour y continuer. D'accord? Donc vraiment, écrivez vos objectifs, ça les rend, comme j'ai dit, plus réels. Aussi, que je trouve important, quand vous écrivez vos objectifs, essayez plutôt d'utiliser le mot
ou le verbe je vais au lieu de j'aimerais ou j'ai envie de. J'espère que vous entendez la différence quand je le dis déjà. Je vais perdre 10 kilos avant l'été. J'ai envie de perdre 10 kilos avant l'été. C'est déjà une grande différence. Je vais vous donner encore la motivation derrière. J'ai envie de, on va dire, ça, c'est plutôt un petit rêve. Donc, j'ai envie de, ça va. Mais si je n'arrive pas, comme je dis, à perdre mes 10 kilos, par exemple, dans les 6 mois, c'est pas grave non plus. Donc, il faut vraiment se rendre dans la situation. Il faut se motiver soi-même pour atteindre vos objectifs. D'accord? Le point numéro 4, c'est faites un plan d'action. Cette étape est souvent oubliée dans le processus parce qu'on est tellement concentré sur le résultat que vous oubliez de planifier toute l'étape nécessaire en cours de route. Donc, en écrivant chaque étape, puis en les barrant au fur et à mesure que vous avez terminé, ça vous rend aussi, comme j'ai dit, plus motivé et ça vous montre aussi que vous faites le progrès vers votre objectif ultime. Donc, fait pour les étapes, c'est une to-do. Ça peut être, comme j'ai dit, pour la semaine, pour le mois, pour une année, n'importe. Une petite to-do list où vous marquez tout ce qu'il vous faut faire ou tout ce que vous voulez réussir vous rend plus contente, je trouve, à la fin, comme je viens de dire, qu'une fois que vous avez réussi, vous barrez voilà, la première étape, que quoi, voilà, yeah, j'ai réussi, j'ai terminé. Et ensuite, la prochaine étape. Puis, on est déjà sur mon cinquième point. C'est le plus important de tout, le plus important de tous les points que je viens de noter, c'est tenez-vous au plan. Ça ne sert pas à grand-chose si vous avez des objectifs et soit vous les oubliez vite, soit vous perdez vite votre motivation. Et vous ne vous tenez pas au plan, donc au fur et à mesure, les objectifs, ils vont rester, mais le chemin pour y arriver, ça ne serait plus la même chose. Donc forcément, là aussi, créez-vous des rappels de temps en temps pour rester sur la bonne voie. Mettez-vous des plages d'horaire régulières pour revoir vos objectifs, pour voir où vous en êtes avec votre objectif. Parce que souvent, vous aurez le cas que la destination finale peut rester similaire ou même sur le long terme, mais que, par exemple, certaines étapes, le plan d'action, donc les différentes étapes pour y arriver, peuvent changer. Donc, pour mon exemple de perdre les 10 kilos, je pense qu'il n'y a pas trop de choses qui peuvent arriver pour changer le but. Mais par exemple, pour créer sa société. Forcément, le but, c'est, voilà, je vais ouvrir ma société. Il y a les différentes étapes à faire, un deadline à suivre. Mais au cours du processus, il y a encore une partie à faire. Donc, un formulaire de plus à remplir, un rendez-vous de plus à y aller, des choses comme ça. Donc, comme j'ai dit, le but ne change pas. C'est le chemin, c'est les étapes qui vont changer un petit peu. Ça dépend de l'objectif. Des fois, ça change plus. Des fois, ça change moins. Forcément, comme j'ai dit, chaque objectif est différent. Maintenant, si c'est pour la vie personnelle, pour la vie... Donc voilà, je pense que ça, c'est le gros des points. Je vais juste les répéter, le 1 à 5, pour que vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, si vous pouvez mettre donc, le dernier slide avec les petites images. Oui. Parce que là aussi, des fois, j'ai bien compris, des fois, c'est mieux d'avoir des petites images liées avec ce qu'on doit faire. Ça reste mieux dans la tête, on va dire. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le point numéro 1, il faut fixer vous des objectifs qui vous motivent et qui vous inspirent. Le deuxième, c'est vos objectifs doivent être smart. Comme on a dit au début, smart, regardez encore une fois les lettres et les explications derrière. D'accord? Le 3, il faut fixer vos objectifs par écrit. Comme je l'ai dit, si c'est des petits objectifs pour atteindre pour la fin de la semaine ou fin du mois, un post-it, ça va aussi. Je trouve que si on parle des grands objectifs pour le long terme, qui prennent plus longtemps,
c'est mieux de prendre un bon bout de papier au lieu d'un post-it, d'accord? Le point 4, c'est absolument faire un plan d'action, comme j'ai dit, avec les différents points arrivés à votre objectif pour l'atteindre. Et absolument, point numéro 5, se tenir au plan. Voilà. Je pense que c'est tout de ma part, forcément, et j'espère qu'il y aurait des questions maintenant, parce que comme j'ai dit, ça c'est vraiment pour moi les 5 points personnels pour vous donner un bon début pour atteindre vos objectifs. Parce Alors, que au on a cours des de questions. ma carrière, j'ai vu, on a beaucoup d'envie de faire pour y arriver au objectif, mais si on ne suit pas les points, on est vite perdu ou on est vite, comme j'ai dit, on a vite perdu la confiance pour y arriver. D'accord? Merci pour votre attention et on passe aux questions, je pense. Oui, exactement, pardon. Il y a effectivement Mathilde qui nous suit et qui pose une question, en fait deux questions même, qui Ah oui? ou en tout cas, un commentaire, elle dit, d'une part, si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs à temps, que se passe-t-il? Et elle dit également qu'elle fait déjà un plan d'action par an, manifestement, mais que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est difficile de le tenir. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Donc le premier, je vais commencer par la première question. Donc si on n'arrive pas à atteindre l'objectif dans le temps qu'on a prévu. Oui, comme j'ai dit, ça dépend forcément de chaque objectif qu'on se met. En même temps, il doit être réel. Donc ça sert à rien, comme j'ai pris l'exemple avant de perdre mes 10 kilos, d'accord? Ça sert absolument à rien que j'ai dit je perds mes 10 kilos dans une semaine. J'ai dit ça, on va partir sur une mauvaise départ. Ça doit être réel. Et même si on n'arrive pas, on va dire, si même j'arrive pas dans 6 mois, dans tout le temps-là, pour suivre les étapes, le plan d'action que j'ai dit avant, ça, logiquement, vous donne la motivation quand même pour y continuer. Même si on n'arrive pas dans le temps qu'on a dit, même si c'est 1 mois ou 2 mois plus tard, par exemple, c'est pas grave. Au moins qu'on suit la route qu'on a mise pour nous-mêmes. Ça, c'est le point important, absolument. D'accord? Le deuxième, c'était forcément si on se donne, on se met beaucoup d'objectifs, c'est ça Oui, que ça c'est rend. ça. C'est ça. J'ai fait mon plan d'action, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, d'accord. Là, mon conseil, et c'est une partie que je dirais du début aussi, qui vous motive et qui vous inspire. Ce qui est important là aussi, qu'il y a un certain niveau de priorité pour vous. Donc, bien sûr, moi aussi, j'ai 50 000 objectifs que je veux atteindre, mais je sais aussi que voilà, c'est que moi qui peux les atteindre. Je ne peux pas faire tout dans un coup. Donc, il faut plutôt même se choisir, je ne sais pas, les top 5 objectifs qu'on veut y atteindre, qui ont vraiment une valeur pour vous. Et puis, les restes vont venir après. Donc, peu à peu, on arrive, comment dire, on arrive plus loin. D'accord? Alors, on a une suggestion dans ce qui est intéressant, ce sont les interactions et je me permets de la retracer. Il y a Stéphanie qui répond à Mathilde notamment et également à Bouchra qui dit la même chose, qui dit je procède aussi par étapes avec une estimation de temps non pas trop précise parce que c'est pas facile à atteindre ces objectifs. Et Stéphanie donc répond qu'elle travaille avec Wall of Work. Sur mural et qui est donc un outil qui permettrait finalement de pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je me permettais juste de le souligner pour que Ah en profiter oui, la c'est communauté. voilà, ça aussi, moi je ne suis pas une sorte de personne qui vous dit, moi j'utilise voilà, un document Word, il faut tous le faire aussi. Vous avez tellement de gadgets, des outils online aussi, parce que voilà, le monde digital, il faut aussi rester moderne et prendre des choses, on utilise des choses technologiques. Moi personnellement, si par exemple j'ai des objectifs que je veux atteindre à la fin de la semaine ou fin du mois, j'adore personnellement mes petites post-it. J'ai quelques post-it collés ici et là parce que déjà, ça, quand je passe la pièce, je les vois. C'est quelque chose qui sort tout de suite des yeux. Je dis, ah oui, le post-it cette semaine, il faut que j'ai fait ça, ça et ça. Et de plus, le petit conseil que je donne, ça dépend, comme je viens de dire avant, ça
dépend du conseil. Donc forcément, quand j'ai lancé par exemple ma société, ça aussi pour moi, c'était un objectif. Mon objectif, c'était je vais lancer ma société et je vais réussir à faire ça avant mes 30 ans. Et je l'ai bien réussi. Ça, c'était mon délai, on va dire. Par contre, ce que j'utilise pour les post-it, c'est réussir à finir un business plan, réaliser le contrat pour le client. Ça, c'est des petites notes. On peut bien mettre sur un post-it note. On n'est pas en train d'abuser avec les objectifs. Donc, je ne vais pas me mettre une vingtaine d'objectifs non plus. C'est 3, 4, 5 objectifs par semaine, des petites. Et je suis contente, comme on a dit avant, avec une to-do list, hein, que je peux les barrer quand j'ai fini et on est là, waouh, cool, j'ai réussi. Ça vous rend plus motivé qu'avant en plus, d'accord? Merci, merci beaucoup, Tanis, pour tous ces tips et ces conseils et ces 5 règles d'or pour atteindre ces objectifs. Je pense que c'est intéressant de démarrer une journée comme ça, en plus, sur un salon, de pouvoir repartir avec une méthode assez claire, assez concrète, des objectifs smart pour se lancer cette année dans son projet. Il y a des échanges de remerciements et des personnes qui interagissent par rapport à leur partage d'expérience, et c'est très intéressant aussi de voir que ces lives permettent Très ces bien. interactions. Donc merci beaucoup. Je pense qu'il y a pas Merci aussi. voilà il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vous remercie en tout cas de votre confiance. Est-ce que vous avez encore des rendez-vous de créneaux des disponibles pour la journée? Pour moi, j'ai encore tout ce matin, donc avant midi. Bon, pour moi, c'est bien. Malheureusement, au niveau du temps, à partir de midi, je suis chez mon autre client. Oui. Parce que là, il y a plein de choses qui doivent. Les objectifs à atteindre, forcément. D'accord. Mais j'ai encore tout le matin. Donc, si quelqu'un est intéressé de faire un petit appel dernière minute ou qui veut me poser des questions, je serai très ravie de pouvoir aider. Absolument. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Tanis directement via la page professionnelle. Sur le site de Salon Professionnel, sur le hall des expositions, vous retrouvez le détail de Tanis et vous pouvez prendre contact avec elle ce matin. Donc, elle a encore des créneaux disponibles pour vous accompagner dans votre projet et vous aider à définir vos objectifs. N'hésitez pas, profitez-en. C'est gratuit et ça peut certainement bien vous aider pour démarrer cette année. Voilà, merci beaucoup Tanis et j'espère que vous Merci. allez avoir un bon salon et merci de votre confiance. À très bientôt. Merci aussi. Très bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Au revoir.